Cette madame, ce bichet décédé, c'est une noyée civile, ce madame bénéficiait d'une pension veuve. Mais quand madame décédée, bichet n'a pas aucun soutien. Qui fait madame une pension veuve? À l'époque, dans mon rite, moi je vous dévantipie, particulier à l'école. Je suis mariée bien jeune, je peux vivre en habit housewife, pour que je peux s'occuper de marine, vos pères, belle-mère, la case et les enfants. Je participe au travail, ni je peux contribuer dans l'économie du pays. À cause de ça, quand ce bichet je peux décéder, vraiment je décide pour offrir, ça m'a madame Lam, un bon sauveur. Mais ça n'est pas là, si une madame décédée, mais c'est là parce que je n'ai aucun soutien depuis le gouvernement. La cause de mes chefs est indépendante, le chef travail, la société se fait considérer un homme, faux et débrouillard. Mais aussi, en 2024, côté la égalité du genre, votre madame si éduquée, travaille et contribue dans l'économie. D'aussi, en 2024, ici madame, tout le travail pour une la cuisine et capable de se débrouiller dans cette ménage. Si pour ma chambre, Michela, ce madame est décédée, Michela vous trouve-lui dans une situation bien difficile. Non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. À cause de ce problème-là, il faut partir dans ce réforme 4.4, nous peut être votre pension veuve. Première fois dans l'histoire Maurice, je te trouve dans ce changement-là. Ta pension veuve-là, ni pour le soutien financier, ça qui est capable d'aider, roule sur la cuisine, occupe pas nos enfants, et te remplace revenu, contribution sur madame. Ça vous permet de continuer en la vie normal. Pour nous récipier à cette réforme, la vie est une réalité, il y a besoin de ce coup de main. Votre réforme partie pour une meilleure avenir Maurice. Il faut revenir sans ses mains.